et le bouc. Vous êtes... Contre la pratique des mères porteuses, car oui, nous le savons, une centaine de couples chaque année de Français vont à l'étranger commander un enfant, exploiter, louer une femme pour ensuite se faire commander l'enfant qu'ils ont choisi sur étagère, comme le disait M. Guénaud. Éric Woerth et Jean-Frédéric Poisson également présents parmi nous. M. Le Guen a déclaré qu'il ne soutenait pas ces propositions de loi par respect pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais une députée socialiste a voté contre les deux motions de rejet. Elle s'appelle Madame Yvonne Le Dain. Il faut savoir que Madame Capdevielle, députée socialiste, avait, dans le cadre même de l'hémicycle, donné des consignes de vote. Madame Le Dain, a agi et voté avec courage. Elle a résisté à la pression de ses collègues. Merci donc à tous ces parlementaires. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. Je suis convaincue qu'ils seront tous là cet après-midi et j'espère surtout qu'ils seront encore plus nombreux cet après-midi, tous mobilisés pour coûte que coûte tenter de faire passer ces propositions de loi malgré le rejet souhaité par la gauche. Cette gauche de gouvernement est une honte absolue et on voit que trop peu à gauche ont le courage d'assumer leurs convictions. Manuel Valls, avec François Hollande et avec Madame Rossignol, avait indiqué et annoncé, vous le savez tous, explicitement leur opposition à cette commercialisation des êtres humains. Dans l'une des propositions de loi avait été proposé de pénaliser la vente d'enfants. Mais puisque le gouvernement ne soutient pas ces PPL, force est de constater que la gauche de gouvernement n'est pas opposée en réalité à la vente d'enfants et à la commercialisation des êtres humains. Si malheureusement ces propositions de loi n'étaient pas votées, une autre, je dois le dire et vous l'annoncer, a été déposée il y a quelques mois au Sénat. Une autre proposition de loi pour lutter efficacement contre la gestation pour autrui. Donc on voit qu'il y en a qui sont comme vous, comme nous, déterminés à agir, même si le contexte est très difficile. Nos yeux se tourneront ensuite à la rentrée parlementaire vers le Sénat, puisque c'est de ce côté-ci que résidera alors notre espoir. Et bien sûr, nous vous appellerons à nouveau à soutenir les parlementaires. Nous devons agir inlassablement, avec persévérance, sans rien lâcher, seule la persévérance, et nous en sommes capables, seule la persévérance nous conduira à la victoire, et victoire sur tous les fronts, en ce qui concerne la famille, de la loi Taubira, à la PMA, à la GPA, en passant par le genre, et toute déconstruction voulue par l'inter-LGBT, précisément, et par un certain nombre d'autres, dont les intérêts se rejoignent avec ceux de l'inter-LGBT. Alors comme vous le savez, nous entrons dans ce qu'on appelle la quinzaine des fiertés. L'inter-LGBT en ce moment organise ses Gay Pride. Elle se succède et celle de Paris aura lieu le 2 juillet prochain. Pour votre information, je vous invite à aller regarder sur le site internet de l'inter-LGBT dans la rubrique de la marche des fiertés et à prendre connaissance des revendications de cette marche des fiertés du 2 juillet à Paris. Il s'agit notamment de redéfinir la filiation, qu'elle ne repose plus que sur le choix et que celle-ci ne dépend plus du nombre de parents, du genre des parents, etc., etc. Autrement dit, il vise notamment explicitement la pluriparentalité. Mais on voit que les projets se démultiplient et notre action devra aussi se démultiplier pour faire passer l'année prochaine et les années d'après des mesures qui reviennent à la raison et au bon sens et qui protègent notre humanité. Mais je sais
Je sais pouvoir compter sur vous, puisque vous ne lâchez rien. Merci à tous de votre présence aujourd'hui et de votre soutien à nos combats. Du compte également voter contre les motions de rejet des députés non inscrits, à savoir M. Jacques Bompard, M. Gilbert Collard, M. Jean-Christophe Fromentin et Mme Marion Maréchal Le Pen. Alors nous allons nous diriger dans quelques instants, juste là, à l'entrée de la rue de l'Université, au plus près de l'Assemblée nationale. Néanmoins, nous avancerons bien entendu dans le calme, comme toujours, puisque nous défendons l'intérêt général et nous sommes en cohérence et donc toujours respectueux des personnes et du bien commun. Merci à tous. Et leurs privilèges, comme on le voit trop souvent ces temps-ci. Ils sont à nouveau dans la rue, devant vous, simples citoyens qui viennent armés de banderoles et de drapeaux pour vous appeler à protéger les enfants, pour vous appeler à faire respecter les femmes. Alors que la gauche de gouvernement n'a qu'un mot à la bouche, l'égalité, eh bien oui, l'égalité, parlons-en. Des femmes vulnérables, exploitées par des sociétés commerciales, exploitées par ceux qui prétendent qu'un droit à l'enfant existerait. Cette attitude, cette hypocrisie est indigne de notre République. Messieurs les parlementaires, messieurs et mesdames, tous les parlementaires de tout groupe, toute tendance, toute parti politique, nous vous appelons à agir et à ne pas être comme les Ponce Pilate, comme des Ponce Pilate de l'histoire. L'avenir, les générations à venir, nos enfants, petits-enfants vous jugeront. Ils sauront voir ceux qui auront été des complices, des lâches, qui auront refusé d'agir pour trouver, pour mettre enfin en place une loi, des lois qui permettent de mettre un stop définitif à la gestation par autrui. De protéger les femmes et les enfants. Tu es pour la vente d'enfants. Tu es contre l'égalité homme-femme, donc en dépit de toutes tes prétentions. Mesdames, messieurs les parlementaires, nous nous adressons pacifiquement à vous. Dans le calme, dans le respect, suivant le bien commun, et nous vous interpellons pour soutenir, pour voter ces propositions de loi de Mme Boyer et de M. Gosselin. Faites un geste historique devant l'histoire, vous serez observés et éventuellement jugés. La grossesse n'est pas un business. La grossesse n'est pas un business. L'enfant n'est pas un produit. L'enfant n'est pas un produit. L'enfant n'est pas un produit. Donc ouvrez-vous peut-être, vous ne savez pas. Arrêtez d'être homophobe. Vous êtes peut-être juste des homosexuels. Vous ne savez pas encore. Et les enfants. Je viens d'avoir un, je l'ai commandé, là, il est sur commande, là. De toute façon, je veux pas aller au ciel, mes amis seront pas là.
gay. Allez-y, chantez ensemble. Soyez plus gay. Bravo, bonjour monsieur. Ça va bien? Bravo. Roulard! Pédophile! Pédophile!